Ouais, j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'étais en train de faire des sons et je me suis dit non, mais il faut que vous entendiez ça. Alors attention les oreilles, si vous écoutez fort, baissez le volume parce que oh, vous êtes prévenus, hein. Alors moi, ça me fait penser à une espèce de vaisseau spatial hanté ou de communication radio avec des démons ou je sais pas quoi. Alors comment j'ai fait ça? Bon, j'utilise avant tout un module très spécifique qui est le Spikes de Error Instrument. Et Error Instrument, j'ai deux, trois trucs de eux. J'ai un autre module, alors je l'ai prêté, je peux pas vous le montrer, mais je vais vous le faire écouter. C'est le Secret Handshake. Et il sonne un peu comme ça. Voilà, c'est une boîte hollandaise et c'est des fous. Ils ont une créativité dingue. Quand ils font un module, en général, c'est une série limitée. J'ai trois modules de eux, le Secret Handshake que vous venez d'entendre, le Spax dont je vais vous faire une démo maintenant, et alors ces petites térémines photovoltaïques, j'en ai pris deux parce qu'ils coûtent peau de balle. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont encore en vente sur leur site, ceux-là, je vous les conseille, ils fonctionnent très bien, ils n'ont pas besoin de beaucoup de lumière en plus. Cette valise vient de chez eux aussi, et alors, bon, elle est un peu mal fichue, hein. Je les soupçonne d'être plus créatifs que rigoureux, on va dire. Alors le Spikes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait n'importe quoi, pour faire court. Je vais vous le faire écouter en direct pour commencer. Donc on fait contact entre la tête de mort au centre et l'une des piques autour. Ça marche un peu mieux en se mouillant les doigts, mais parfois un mauvais contact est plus intéressant, à vous de voir. Et sur chacun des piques, on a un circuit différent qui produit un n'importe quoi différent. Attendez, je vais enlever toutes les modulations, voilà. Évidemment, en tournant les boutons, on peut changer chacun de ces 8 sons. 8, 7. Ah oui, c'est un symbole satanique, hein. Il y a 7 pics, évidemment. Et deux de ces paramètres sont contrôlables en CV. Lequel était dans quel trou? Non, je sais plus, on s'en fout. Voilà. Là, j'ai un LFO qui rentre et une enveloppe bouclée, c'est-à-dire un LFO aussi qui rentre dans l'autre. J'ai mon petit LFO là, dont la vitesse est modulée par l'enveloppe, qui est elle-même bouclée. Alors, c'est super, mais ça sonne un petit peu petit, hein. C'est surtout des aigus. Alors, pour grossir ce son, je suis passé par différents modules. Je vous montre lesquels l'un après l'autre. Pour commencer, j'ai utilisé le Dubfer A115 Audio Divider. Alors, l'Audio Divider, je ne sais pas si vous arrivez à voir à travers tous ces câbles, il a 5 potes, ce sont 5 volumes. Son premier pote, c'est simplement le niveau du signal original. Et puis, vous avez un octaveur, donc il vous sort le même son une octave en dessous. Sur le deuxième pote, deux octaves en dessous sur le troisième pote, etc., jusque quatre octaves en dessous. Alors comment ça marche pour diviser les fréquences par deux, ce qui est ce que ça veut dire, hein, une octave en dessous c'est divisé par deux, deux octaves en dessous divisé par quatre, etc. D'abord, il transforme ce qui rentre en une onde carrée. Je soupçonne ce qui sort du spike de n'être qu'une série de pulses de toute façon, donc ça ne doit pas changer grand-chose. Et puis, pour générer l'octave inférieure, il compte le nombre de fois que le signal original croise l'axe 0. Et toutes les deux fois seulement, il inverse la polarité de l'onde carrée générée. Cette onde carrée va donc être une octave en dessous de l'onde originale. Et puis une fois sur quatre pour l'octave encore inférieure, etc., etc. Je vous fais écouter ça tout de suite. Donc, je vais commencer par fermer tous les potes, sauf celui du signal original. D'accord, jusqu'ici tout va bien.
Et maintenant, une octave en dessous. Deux octaves en dessous. Etc. jusqu'en bas. Un petit peu, on n'est pas obligé de toutes les ouvrir à fond, hein, on compose ça un petit peu pour trouver l'équilibre qu'on cherche. Et déjà, beaucoup plus gros, on est d'accord. Ok, ça ne faisait que commencer, parce que maintenant, on va passer ça dans un frequency shifter, un décalateur, un décaleur, un décalageur de fréquence, je ne sais pas comment on dit. Le frequency shifter, c'est pas du tout la même chose qu'un pitch shifter. Le circuit électronique est assez compliqué et je ne l'ai pas très bien compris, ça dépasse mes connaissances rudimentaires et de toute façon, on s'en fout parce que celui-ci est numérique. Mais ce que ça fait, c'est additionner une fréquence à toutes les fréquences de toutes les harmoniques du signal entrant. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez un son de 60 Hz par exemple, je dis ça parce que on a une basse à 60 Hz pour vous faire une démo tout de suite là. Prenez un signal à 60 Hz, si c'est une si, il va avoir toutes les harmoniques présentes, donc 120, 180, 240, etc. Si maintenant vous pitchez cette onde dans le si vers le haut, par exemple vous la multipliez par 1,5, on va dire, bah, vous aurez une onde à 90 Hz, ouais, 90 les gars, et ses harmoniques à 180, 270, 360, etc., etc. Un frequency shifter, ce que ça fait, c'est différent. Ça va ajouter, par exemple, vous avez 60 Hz et vous ajoutez 10 Hz. Donc vous allez avoir 70 Hz et puis 130, 200, non, 190 justement, 170-20 si vous préférez. Donc on a 60 plus 10, ça fait 70. 120 plus 10, ça fait 130. 180 plus 10, ça fait 190. 240 plus 10, ça fait 150. Et donc, les rapports ne sont plus harmoniques. Et tout d'un coup, vous avez un son qui sonne faux. Un timbre qui n'est plus celui d'une note de musique. J'ai appris ça l'autre mois en faisant des percus. C'est une des manières de synthétiser les partiels non harmoniques de certaines percussions. D'abord, je vous montre l'action du shifter sur une onde triangulaire normale. Et puis, on va faire joujou sur les sons du spike. Alors, ça, c'est l'onde d'en dessous dont je vous ai parlé là tout de suite. Je commence à additionner des fréquences. On entend comme un effet de phaser. Hein. Là, on entend comme un battement. D'où ça vient cet effet ? Eh bien, si j'ai une fréquence de 60 Hz avec une harmonique à 120, une autre à 180 et ainsi de suite, et que je rajoute 1 Hz par exemple, je vais avoir 61, 121, 181, etc. Alors, les harmoniques de 61, ça devrait être 122, 183, et là on a 121, 181. On commence à avoir un effet de battement, comme quand on détune ou désaccorde hein, légèrement deux oscillateurs. En même temps, si vous comprenez 90, vous comprenez des tunes. Hein. Et lorsque je vais intensifier l'effet, les partiels vont s'éloigner de plus en plus des fréquences harmoniques. J'ai découvert ça en essayant de faire des percus, mais ce coup-ci, c'est pour faire du bruit. Voilà. Si vous regardez sur l'analyseur de spectre que je vous incruste ici, vous verrez que les fréquences partielles, les harmoniques, ont l'air de se rapprocher de plus en plus les uns des autres. C'est uniquement dû à la graduation logarithmique de l'analyseur de spectre. En réalité, les partiels gardent exactement le même écart entre eux. Alors que si on augmentait simplement la fréquence de l'oscillateur, la distance entre les harmoniques augmenterait ici. Il bouge en parallèle, et si ça ne se voit pas sur le graphique, c'est uniquement dû à son échelle logarithmique. Le Mordax Data, ici, il a une échelle linéaire, et ce serait très pratique, mais c'est tellement merdique, on voit rien du tout à la caméra. Alors. Souvent, les shifters ont deux sorties. Pendant qu'ils additionnent des fréquences sur une sortie, ils en soustraient sur l'autre. Et ça donne un gros effet stéréo. Je vous fais écouter. Bon, donc sur ce genre de son, c'est pas très intéressant. Les shifters, on les utilise pas mal en pop, en musique moderne, en dubstep, en trucs comme ça, sur des grosses basses wobble, mais c'est pas ça qu'on va faire ici. Est-ce que c'est encore moderne la dubstep? Je suis vraiment un vieux con. Et maintenant, on s'écoute le shifter sur le Spikes
Après l'audio divider, donc on a déjà toutes ces octaves qui font un gros son bien bassu, bien couillu, et maintenant on rajoute le shifter. Bon, c'est sympa, mais regardez un petit peu le spectre, l'analyseur de spectre là. Remarquez rien ? Il n'y a plus rien au-dessus de 20 kHz, hein ? Pourtant, je rentre à 192 kHz dans la carte son. Alors, je prétends pas du tout qu'on entende les ultrasons, hein, et surtout plus moi à mon âge. Ce qui est intéressant dans le fait d'enregistrer plein d'ultrasons, c'est que si on ralentit ce son pour le rendre encore plus énorme et d'un autre monde, eh bien, il ne deviendra pas plus sourd, parce que tous ces ultrasons descendront alors dans le domaine audible et viendront peupler toute la partie supérieure du spectre audible. Et donc, on évite ce problème qu'on a souvent avec le sampling, qui est d'avoir des sons plus sourds quand on les ralentit. Bon, donc j'enregistre à 192 kHz et j'aimerais bien avoir des harmoniques jusque la moitié de ça. Parce que c'est un module numérique et qu'il échantillonne visiblement à 40, 44, 48 kHz, quelque chose comme ça, il n'y a plus rien après 20 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer de la clarté? Et tant qu'à faire, en récupérer aussi déjà dans le domaine audible parce que c'est toujours mieux. On va rajouter des distos. Deux de mes distos favorites que vous me voyez utiliser dans pratiquement tous mes patchs, le TG4 de Future Sound Systems et la Newtone de Plankton. J'en ai mis une à gauche, l'autre à droite, parce que je sors en stéréo du Deflector Shield et j'ai pas de disto stéréo, donc ça va être comme ça. Voilà, regardez l'analyseur. Je les monte et je viens juste rajouter ce qu'il faut pour avoir un spectre en apparence continue. Alors, il y a aussi un feedback sur le shifter. Ça veut dire que le son du shifter repasse dans le shifter. Et donc, ça devient encore plus gros. Regardez. Là, je vais augmenter le feedback. On est d'accord ? Yeah.
On peut pousser le vice à passer encore dans ces beat modifiers de Duffer. Donc, c'est des beat crushers et des décimateurs. Un décimateur, ça réduit la fréquence d'échantillonnage, ou ça échantillonne à une fréquence trop basse, sans anti-aliasing, sans filtre de Nyquist. Quelque chose me dit qu'on va plutôt aller vers du moins bien, le mieux l'ennemi du bien, et je pense que je ferai pas mieux, mais on va essayer quand même. Bon, au pire, ce sera pire. Hein. Donc, ici, je contrôle la fréquence des deux décimateurs. Mais ils sont en parallèle, hein, c'est ça qui est bien. Pour inaugurer mon nouveau t-shirt, j'ai décidé de rajouter un modulateur en anneau. Donc là, je balance un sinus, et puis peut-être je balancerai des trucs plus rigolos. Pour moduler en anneau le son du spike, comme s'il ne se suffisait pas à lui-même pour faire du bruit, voilà, hein, plus on peut rendre ça noisy, pourquoi se priver? Bon, soyons précis. Ah ouais, alors pour info, j'ai accordé mon oscillateur sur un Do, parce que je trouve ça important de rester quand même harmonique et le plus musical possible dans ce genre d'entreprise.
Le feedback, vous aimez ça le feedback? Alors on va moduler en FM par exemple, je sais pas, l'oscillateur avec le son du spike. Et comme l'oscillateur lui-même module le spike en anneau, je pense que ça devrait rendre des textures particulièrement subtiles. Tiens. Voilà, faisons le cochon. Voilà, comme d'hab, tous ces sons et puis tous ceux que j'ai fait pendant des heures avant de commencer à filmer, ils seront sur le Patreon. Ils seront aussi sur mon site, pas cher, hein, pas cher du tout. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de potins dans ce genre-là. Et vous aussi, je vous souhaite de faire beaucoup de bruit d'ici la prochaine fois.